Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir sur l'esplanade du Louvre. Ce soir, nous allons plonger dans l'atmosphère du Paris d'hier et d'aujourd'hui à travers ses places, près de 500 secrètes, insolites ou majestueuses. La place du Carrousel du Louvre est un bel exemple de ces lieux de pouvoir qui jalonnent la rive droite et elle porte l'empreinte de Louis XIV. En 1662, il organise ici un spectacle équestre, un carrousel pour la naissance de son fils. Cette place s'ouvre sur les jardins et sur l'arc de triomphe du Carrousel, un monument voulu par Napoléon Ier. Accéder à son toit est un privilège. Cet arc a été édifié à la gloire des soldats de Napoléon, vainqueurs de la bataille d'Austerlitz en 1805. Il s'inspire des arcs de triomphe romains. Et regardez au sommet, ce quadrige est entouré de sculptures en plomb doré. Pour la petite histoire, les quatre chevaux provenaient à l'origine de la basilique Saint-Marc à Venise. Ils ont finalement été restitués aux Vénitiens et remplacés par des copies. Ce monument marque l'entrée du jardin des Tuileries. Dans la continuité, on aperçoit bien sûr la place de la Concorde, la place de l'Étoile. Cette perspective est l'axe historique de Paris, car ces anciennes places royales ont marqué l'histoire de la capitale, tout comme d'ailleurs les places de la République et de la Bastille, lieu de grands rassemblements populaires. De place en place, côté rive droite, c'est un voyage auquel nous convient Isabelle Thomas, Mathieu Auville et Guy Sabin. En haut des Champs-Élysées, la place de l'Étoile se réveille. Il est 6 heures. Les journaux du monde entier arrivent. Bonjour, messieurs. La place de l'Étoile est le quartier international de la capitale. Il y a du choix, il y a pas mal de références. On essaye de satisfaire la clientèle avec des titres qu'on ne trouve pas ailleurs. Quand on prend un échantillon des journaux étrangers, mis bout à bout, ça fait plus que les quotidiens nationaux. Ahmed reconstitue chaque jour le mur des unes. Une revue de presse internationale en un seul coup d'œil. Juste en face, au même moment, dans les entrailles de l'Arc de Triomphe. Le monument n'est pas encore ouvert, mais les équipes de surveillance sont déjà à pied d'œuvre. Merci. Ça fonctionne. C'est tout bon. Ça sert à quoi, la sirène ? La sirène, c'est pour les évacuations d'urgence. Tous les matins, on vérifie systématiquement la propreté des lieux. On vérifie tout le matériel d'évacuation, le matériel d'appel d'urgence, etc., etc. Donc là, on va vérifier un petit peu tout le tour, voir s'il n'y a pas eu de problèmes pendant la nuit, de choses qui ont pu s'envoler, de choses qui ont été cachées également derrière les herses. Plus d'un million et demi de personnes visitent chaque année le monument. CRS reçu et c'est radio. La vue est imprenable sur les Champs-Élysées. De loin, la butte Montmartre domine Paris. On est au cœur, on a une vue à 360 degrés, pas trop haute. C'est vraiment l'idéal, quoi. Pour l'instant, c'est désert, c'est pas encore ouvert, donc l'arc nous appartient. Les monuments de Paris semblent à portée de main. L'Arche et les tours de la Défense. La tour Eiffel, comme un repère sur la carte. C'est Napoléon qui commande l'Arc de Triomphe pour célébrer ses victoires. L'Étoile est aujourd'hui le plus grand carrefour de la capitale, aménagé au XIXe siècle, par le baron Haussmann.
L'architecte Itorf réalise les 12 hôtels particuliers aux façades identiques qui entourent l'Arc de Triomphe. Florent Richard est un architecte qui connaît bien la place. La définition de la ville moderne pour le baron Haussmann se constitue autour de focales, ici l'Arc de Triomphe, et de grandes places urbaines qui reprennent des codes anciens des places royales. Mais ici, on est sur une place carrefour, c'est-à-dire que 12 avenues débouchent sur la place de l'Étoile. Et ces hôtels donnent une majesté et une homogénéité à l'ensemble. Pour ne pas rivaliser avec l'Arc, les hôtels ont été limités à 21 mètres de hauteur. Celui de Günzburg est le plus grand. Comme tous les hôtels de la place, l'entrée se fait sur l'arrière, là où les propriétaires ont pu choisir les décors. Florent Richard a travaillé à la restauration du site qui accueille aujourd'hui différentes sociétés. Là, on est dans un décor, un vrai décor. Et donc, on va donner l'impression de cette majesté dans un espace qui est très contraint de moins de 5 mètres de profondeur, alors que l'hôtel est absolument majestueux, mais vraiment pour créer un lieu théâtral, un pur décor. L'ornement est en stuc peint. Marbre, bois, tout est faux. Mais les trompe-l'œil sont impressionnants. Donc on est dans une grande tradition de décor français qui là est marquée du style Second Empire, mais dont le bruit montre bien qu'on est sur quelque chose qui est creux finalement. Comme dans les grands hôtels particuliers, les salons d'apparat se déploient en enfilade. Mais ici aussi, les architectes ont eu recours à des subterfuges pour agrandir les pièces. Ce niveau de salon est assez contraint en hauteur, même si les hauteurs sont majestueuses, mais les décorateurs vont travailler avec des plafonds qui donnent des ciels avec des échappées, qui, par le biais de fausses coupoles, donnent aussi une impression de volume, par le biais des miroirs, donnent une impression d'espace et permet finalement, là encore, d'être dans un décor de théâtre où on est systématiquement projeté vers l'Arc de Triomphe, la focale permanente de tous ces hôtels. Car le luxe suprême, c'est la vue. Et voilà l'Arc de Triomphe. L'historien Brice Payen connaît bien lui aussi le quartier des Champs-Élysées. Il nous propose un point de vue inédit. La terrasse du drugstore. D'ici, l'Arc de Triomphe domine toute la place et impose sa puissance à l'image de l'empereur. C'est vraiment un monument à la gloire de Napoléon, à la gloire personnelle de Napoléon. C'est plus tard qu'il va prendre une connotation, on va dire, plus collective, donc notamment avec la Première Guerre mondiale et le traumatisme absolu qu'a été la Première Guerre mondiale. Et c'est à ce moment-là que surgit l'idée d'instaurer un soldat inconnu, d'abord au Panthéon, puis ensuite sous l'Arc de Triomphe. La vocation militaire du monument est rappelée à chaque armistice et au défilé du 14 juillet. L'Arc de Triomphe, véritablement, symbolise la nation et le rassemblement autour de la nation et des valeurs républicaines. Et par exemple aussi, quand il y a eu en 1998 la Coupe du monde de football, tout le monde est venu sur les Champs-Élysées, est venu devant l'Arc de Triomphe. Alors le slogan à ce moment-là, c'était plus le slogan napoléonien, hein, de « il a fait notre gloire ». C'était justement un symbole, c'est intéressant, un symbole plus collectif, c'était « la victoire est en nous ». Donc voilà, on passe, on voit très bien qu'on passe d'un symbole de l'Arc de Triomphe, d'un symbole personnel, à un symbole collectif. Collectif aussi, l'hommage populaire rendu le 9 décembre 2017 à Johnny Hallyday, à Paris. Il commence place de l'Étoile, et l'image est saisissante. Plus de 700 motards en Harley-Davidson, les bikers escortent le convoi funéraire.
le long des Champs-Élysées. Près d'un million de personnes accompagnent le cercueil de bois blanc jusqu'à la place de la Concorde. Le cortège gagne ensuite l'église toute proche de la Madeleine, où le président de la République en personne prend la parole. Pour que le feu ne s'éteigne pas, je vous propose, où que vous soyez, qui que vous soyez, pour lui dire merci, pour qu'il ne meure jamais, d'applaudir Monsieur Johnny Hallyday. Place de la Concorde, se sont écrites quelques-unes des grandes pages de l'histoire de France. C'est la plus grande place de Paris et une des plus grandes places de France. Il s'agit ici d'une place royale. Donc les places royales à Paris, normalement, elles sont fermées, entourées de bâtiments. Or celle-ci, la grande originalité, la grande nouveauté, c'est son ouverture. C'est-à-dire qu'elle est fermée que sur un seul côté, mais ouverte sur les trois autres. Depuis l'origine, aucune construction côté Seine et de part et d'autre de la place, les Tuileries et les Champs-Élysées. Comme toute place royale, celle-ci est créée pour accueillir une statue du roi. Au niveau de l'obélisque, donc il n'y avait pas l'obélisque, il y avait une belle statue équestre du roi Louis XV. L'évolution des noms de la place de la Concorde correspond notamment à l'histoire de France. Au début, effectivement, c'est une place royale, donc qui s'appelle la place Louis XV. Et puis, au moment de la Révolution française, elle va prendre le nom de place de la Révolution. Donc, la statue de Louis XV est détruite, et à sa place, on va installer une statue de la Liberté, avec un globe dans une main, un sceptre dans l'autre, et à côté de cette statue, on va installer la guillotine. La place de la Révolution devient alors un terrible théâtre. Louis XVI et Marie-Antoinette y sont décapités. Sous la terreur, 2500 personnes sont exécutées en un an à peine. Difficile d'imaginer que la place s'appellera un jour Concorde. C'est par la suite, au moment du directoire et du changement de régime, que cette place va prendre le nom de place de la Concorde, pour justement symboliser le nécessaire équilibre entre les différentes composantes de la nation. Et comme symbole extrêmement fort, la première mesure du directoire va être l'abolition de la peine de mort et le changement de nom de la place de la Révolution en place de la Concorde. C'est le roi Louis-Philippe qui donne à la place son aspect actuel. Il y rassemble 8 statues de villes emblématiques du royaume. Et l'obélisque devient son centre de gravité. C'est le 25 octobre 1836 que l'obélisque va être érigé en présence de centaines de milliers de Parisiens. Le roi Louis-Philippe, lui, est sur les balcons de l'hôtel de la Marine qu'on voit derrière nous. Il est un peu en retrait parce qu'il se dit, bon, si ça casse, je ne vais peut-être pas me présenter pour qu'on m'applaudisse parce que ça risquerait de mal tourner. Et quand il voit qu'enfin l'obélisque est érigé, il sort, le public l'applaudit, rideau, c'est parfait. Direction l'hôtel de la Marine. Ancien haut commandement de la Marine jusqu'en 2015, le bâtiment est aujourd'hui en travaux. Du coup, je suis très curieux de voir ce qu'est-ce qui va changer. Brice Payen a un rendez-vous avec la directrice de la conservation, Delphine Christophe. C'est elle qui coordonne ce chantier riche en surprises. À l'origine, l'hôtel de la Marine était le garde-meuble royal. Dans les anciens appartements des intendants du garde-meuble, on sonde, on gratte, on répertorie les décors du XVIIIe siècle. Ici,
En fait, nous avons fait des sondages pour essayer de voir si nous avions conservé les décors 18e. Et ici, vous voyez que le décor sort et qu'il est en parfait état. Donc, on sait que pour pouvoir le dégager correctement, toute l'opération devra se faire manuellement, c'est-à-dire vraiment mécaniquement, donc au scalpel. Il n'y avait pas une histoire avec un trou, une sorte de lorgnette qui avait été faite par les nazis, enfin, par les Allemands, quand ils ont occupé l'hôtel de la marine. Attendez, on vérifie. Ah, voilà. Il est là. Ah, mais si, vous avez raison, il est encore là. Il est là. C'est un œil de bœuf. Un Judas qui permettait de contrôler la rue de Rivoli. Déjà restauré il y a 10 ans, les salons d'apparat aménagés au 19e siècle. Ah oui, là on est en plein Napoléon III. Et y a ici des portraits. Absolument. Qui sont des portraits qui datent de la marine. Qui datent de la marine, donc vous allez pouvoir voir, vous avez Bougainville, vous avez la Pérouse, donc les grands marins, les grands découvreurs, ceux qui ont vraiment fait toute la gloire de la marine royale, donc sont représentés ici. Donc nous sommes vraiment sur un décor qui affiche vraiment la puissance de la France et qui affiche la puissance militaire, mais aussi la puissance économique du pays au travers de la marine. Nous gagnons la chambre de l'intendant du garde-meuble, où se trouve un trésor caché. Alors, cette chambre, elle donne sur des espaces très privés de l'intendant, et en particulier ce petit bijou, qui est le cabinet des glaces. Quelque part, l'intendant du garde-meuble est vraiment à la pointe et ne se refuse rien. C'est extrêmement précieux, les miroirs à cette époque. C'est quand même une œuvre tout à fait unique. Alors, avec des petites reprises, puisque vous voyez qu'effectivement, à une époque, pour des questions de bienséance, donc, on a un petit peu recouvert d'un voile pudique tous ces personnages féminins que nous observons ici. Mais nous sommes vraiment dans un lieu très privé. Le départ de la marine a permis d'autres découvertes. Là, vous avez la chambre de Fontagneux, là, vous avez le cabinet des glaces, et ici, vous avez ce qui était le cabinet doré. Et pour une surprise, c'est une surprise. Ici, c'est le cabinet doré. Exactement. D'accord. Ici, c'est le cabinet doré. En quoi il est doré? Alors aujourd'hui, il est inox. Il est plutôt argenté, oui. Ne vous y trompez pas. Les sondages ont révélé que la dorure existe encore bel et bien. On est sur quelque chose d'aussi précieux finalement que le cabinet des glaces. Il y a un côté quasiment archéologique, justement dans la conservation de ces différentes couches. Dès qu'on gratte, on arrive à une couche plus ancienne, et c'est ça qui est très intéressant dans cet hôtel. Ça nous enseigne l'origine de nos traditions et la filiation qui existe entre le passé et le présent. L'hôtel de la Marine, jusqu'à présent, depuis un an et demi où on fait des sondages, c'est bonne surprise sur bonne surprise. Et feuilleton à rebondissement. Et feuilleton à rebondissement, avec une fin dans deux ans et demi. Sur la place de la Concorde, un autre bâtiment a fait peau neuve. Après 4 ans de travaux, l'hôtel de Crillon a rouvert en juillet 2017. Avec toutes ces transformations, le Grand Hôtel espère accéder au statut de palace. Le nouveau bar des ambassadeurs se prépare pour la journée. Ces décors du XVIIIe siècle sont classés. Le marbre des murs décline 7 couleurs et encadre de grands miroirs. Les lustres d'origine ont été parés de colliers pour un style plus contemporain. Les salons historiques du deuxième étage ont entièrement été restaurés. Stuc et dorures ont retrouvé tout leur éclat. Le balcon donne directement sur la place de la Concorde. Sur l'autre rive, juste en face, l'Assemblée nationale. En 1934, c'est elle la cible de l'assaut. Le 6 février,
l'extrême droite veut renverser le Parlement. L'attaque tourne à l'émeute. Le soir, des autobus brûlent. On compte plus de 2000 blessés et 15 morts. 6 jours plus tard, une manifestation est autorisée pour la première fois dans Paris. Les antifascistes défilent de la porte de Vincennes jusqu'à la place de la Nation. Un parcours encore très excentré pour ne pas menacer le cœur de la capitale. Ces organisations antifascistes qui marquent des points vont progressivement obtenir de pénétrer Paris toujours un peu plus avant. Et puisque nous sommes à la Bastille, la première manifestation où la place de la Bastille est non seulement appropriée, mais où la statue est réappropriée, où le symbole de la Révolution française est approprié et même surligné, c'est la grande manifestation antifasciste du 14 juillet 1935. À l'appel du comité d'organisation, 500 000 hommes viennent, avec autant de foi que de force, affirmer leur attachement aux libertés républicaines. Communistes et socialistes défilent pour la première fois ensemble contre l'extrême droite, de la place de la Bastille à la place de la Nation. La manifestation du 14 juillet 1935 pose les bases du Front populaire qui sera élu l'année suivante. Donc, pour trouver véritablement de grands rassemblements, il faut attendre ce moment tournant qu'est pour l'histoire des manifestations parisiennes le Front populaire avec cette construction du triangle République-Bastille-Nation. À partir de 1936 et durablement, ce triangle s'est affirmé comme le triangle des manifestations populaires revendicatives et encore aujourd'hui. Le 11 janvier 2015, la statue de la République devient même le symbole de la manifestation. 1,5 million de personnes se rassemblent après les meurtres au journal Charlie Hebdo et l'attaque de l'hypercachère. Entre tristesse et colère, Marianne est portée en triomphe, comme si la statue de la place s'était mise en marche. Il y a des événements qui redessinent l'espace. Je crois qu'avec les attentats, on a assisté à un phénomène de ce type, c'est-à-dire que le rassemblement, d'abord spontané, puis organisé, qui s'est opéré autour de la statue, a brusquement donné à cette statue un sens nouveau. À 2 pas de la Bastille, un carré de 140 mètres de côté, parfaitement ordonnancé. La place des Vosges est la première place royale de Paris. En 1605, c'est Henri IV qui en commande la création. Dans le Paris médiéval, la place des Vosges détonne. Son plan d'ensemble, ses maisons de pierre et de briques, ses toits d'ardoise lui donnent un cachet inégalé. À l'origine, cette place devait être une place pour les commerçants et les artisans, d'où les arcades pour abriter des boutiques. Sauf que, en fait, cette place va devenir tellement belle, tellement extraordinaire, et puis les maisons sont chères à bâtir, que finalement, les ouvriers, les commerçants ne peuvent pas forcément y avoir accès. Et surtout, ça va être l'inauguration de la place avec les fiançailles de Louis XIII, en avril 1612, qui va donner ses lettres de noblesse à la place. Voilà, cette place va être véritablement the place to be. C'est donc la statue de Louis XIII qui trône au milieu du jardin. Sur la place, la haute société s'installe. Madame de Sévigné est née ici, au numéro 1. Victor Hugo a vécu au 6. Le duc de Sully y adosse son logis. C'est aujourd'hui le centre des monuments nationaux. Mais à la fin du 19e siècle, l'hôtel particulier est méconnaissable. Sa façade sur rue est comblée et abrite même des commerces. Le 19e siècle est un siècle véritablement bourgeois et commerçant industriel. Et c'est lui qui va occuper la place. Et du coup, les hôtels vont un peu dépérir.
Ensuite, dans les années 20, dans les années 50, tous ces hôtels seront classés aux monuments historiques. Donc il y a un vrai souci de restauration et de préservation de la place au XXe siècle. Et du coup, ils vont être réinvestis par ce qu'on appelle aujourd'hui l'aristocratie financière française, par des artistes, par des acteurs. Jean-Claude Brialy va habiter la place, Annie Girardot va habiter aussi la place, Jacques Lang va habiter la place. Aujourd'hui, on a Xavier Niel. Enfin, on connaît tous aussi les images de Dominique Strauss-Kahn et d'Anne Sinclair. Enfin, donc cette place va être réinvestie par l'élite financière française. Ce matin, la place s'éveille doucement. Il est 8 heures. Les premières livraisons annoncent le menu au numéro 9 de la place. Bernard Pacot est le chef 3 étoiles de l'Ambroisie. On se cache même du soleil ici. Non, mais c'est magnifique. Comment vous avez choisi d'être ici? C'est un ami et client, décorateur, qui m'a dit j'ai trouvé un lieu pour toi, magnifique, place des Vosges. La place des Vosges, quand je suis arrivé ici en 86, il n'y avait aucun immeuble, c'était ravalé, hein, c'était tout noir, il y en a encore un ou deux. Et quand j'ai vu le lieu, je dis ben non, ça tu te débrouilles, je le veux. Voilà. Bonjour jeune homme. Bonjour. Ben, un autre poissonnier qui arrive, un deuxième. Bernard Pacot travaille depuis longtemps avec les mêmes fournisseurs qui connaissent son exigence. Vous avez vu un peu? Ça, c'est magnifique. Hein, regardez la qualité des barres, là. Des langoustines. Des écrevisses. Et tout ça, ça va être cuisiné. Le restaurant a reçu 4 présidents, et non des moindres. En 1996, Jacques Chirac y invite Bill et Hillary Clinton. Et en 2015, Barack Obama partage la table de François Hollande. Comme dans tout 3 étoiles, chaque tâche est précise, minutieuse. Ça, c'est tous les produits de saison qu'on utilise, entre autres, hein, on n'a pas tout là. On pousse le raffinement jusqu'à débarrasser les fèves de leur peau. Vous savez, là, pour faire 35 couverts, on est 24. Hein. 24 employés, on est 12 en cuisine, 12 en salle. Tu peux me sortir un carré d'agneau, s'il te plaît? Non, mais là, je vais faire simplement un essai. Hein. Vous petit carré d'agneau de Lozère, agneau de lait. Ouais, ça. Magnifique, hein? On met un peu de beurre pour assouplir le goût de la moutarde. Régulièrement, Bernard Pacot s'essaie à de nouvelles recettes. Cette enveloppe persil parmesan doit renouveler la tradition. Là, cette fois, ça donnera ça, mais une fois. J'en mets une fois que c'est cuit. Bien sûr. Et merci, chef. Ouais, non. Je t'ai jamais voulu te prendre pour plus bête que tu es. Simplement, c'est je veux qu'une fois cuit, le persil reste comme ça. Tu le poses dessus, terminé. Ok, merci. Les nouvelles recettes n'écartent pas ce qui a fait la réputation du chef, comme sa tarte au chocolat. On cuit ça 8 minutes au four à 180 degrés. Et on va voir une tarte mousseuse. Allez, Giorgio, on y va. Qu'est-ce que vous avez comme rose? Ça. Ça, c'est beau. Ça et ça, ça va ensemble? Oui, c'est bien. Chaque semaine, Bernard Pacot commande aussi de nouvelles fleurs pour ses tables. Ouais, bah, c'est bien. Il y en a assez, là? Oh, oui, je pense. Oui, c'est bon. Tiens, allez, on y va. Préparer les bouquets est une sorte de rituel pour le chef. C'est beau, hein, ça? Bon, il y a des collègues qui diront bah, il est pas souvent en cuisine, mais bon... Moi, du moins, je me fais plaisir. Donc, si je me fais plaisir, je pense que je vais donner du plaisir. Voilà. On dit que la cuisine, c'est un acte d'amour. Donc, c'est ça, hein. C'est... Le premier acte, c'est la mère qui nourrit son enfant par le sein. Donc, c'est vrai que ça peut jouer. Mais bon, il ne faut pas non plus
Non, j'aime ça. À vrai dire, j'aime beaucoup faire ça. Après, ça me détend. Je retourne en cuisine, après, j'aime bien tout faire. Oh, cette salle est finie. Là-bas, vite. À proximité de là, sous les arcades, Mandarine Roof prépare sa terrasse. Salut. Ça va? Cette franco-américaine a récemment transféré sa boutique sur la place des Vosges. L'espace était plus grand pour notre concept. Et puis, on a eu de la chance d'avoir un emplacement comme celui-là disponible pour nous. Surtout. C'est le rêve pour vous d'être ici? Oui, oui, oui. Ah bah oui, il n'y a pas mieux. C'est un peu comme un petit village, en fait. J'ai grandi dans les bacs à sable dans la place des Vosges, en fait. Donc, je jouais quand j'étais petite, mes frères et sœurs, pareil. Le concept de la boutique, les jus de fruits et de légumes 100% naturels, avec des noms évocateurs. Un créneau dans l'air du temps qui mise sur le manger sain. Oui, il faudrait juste faire un... Les bureaux de Mandarine sont aussi sur la place, quelques arcades plus loin, dans un des hôtels particuliers. Ça se vend super bien. Ça se vend vraiment super bien. L'escalier témoigne déjà de la grandeur des maisons de la place. Même transformés en bureaux, les appartements révèlent une belle hauteur sous plafond et beaucoup d'espace. Ça pour la boutique. Ça, je vais reprendre pour la boutique en bas. Nous, on a la chance que vous avez une vue. Bon, il fait pas très beau aujourd'hui, mais vous savez, ici, on a la vue qui donne sur la place des Vosges. C'est l'architecture de Paris. C'est super beau, c'est très français. En travaillant ici, Mandarine a aussi découvert les coulisses de la place des Vosges. Alors là... Les lourdes portes cochères cachent parfois de petits paradis. Sur la place des Vosges, il y a des petites cours qui sont cachées, où les habitants habitent, donc c'est privé. Donc le public n'a pas accès. C'est des maisons pour les résidents, où ils ont accès même avec leur voiture. C'est comme ils avaient une maison derrière la place des Vosges. Puis c'est secret, il n'y a pas de bruit, c'est caché. C'est agréable et on ne voit pas ça souvent dans Paris. Nous gagnons une autre place royale, la place Vendôme. L'architecte Florent Richard a travaillé à la mise en valeur de la place. Ici, rien n'a changé depuis le décret qui a ordonnancé les façades au XVIIe siècle, excepté la statue. Napoléon a remplacé Louis XIV. Tout était tellement précis que lors de la construction, on a eu cette uniformité qui apparaît toujours aujourd'hui. Donc la règle de hauteur, les pierres utilisées, les principes de sculpture, les garde-corps qui sont absolument tous uniformes et sur le même modèle. Et faire le tour de toute la place est assez fantastique en regardant uniquement les mascarons. Il y a 158 arcades, 158 mascarons qui sont donc sculptés en clé de ces arcades de soubassement. Ils sont de la même main, mais ils sont tous différents. Donc là, ça correspond bien à la façade, finalement, cette majesté. Alors ici, on est dans une entité, effectivement, un grand vestibule d'accueil, l'escalier d'honneur qui se développe majestueusement. On est clairement dans la disposition du grand hôtel particulier du début du XVIIIe siècle. Disons que ce que l'on voit est réel, mais il n'y a pas que ça, et on va pouvoir le découvrir. Nous empruntons l'escalier de service. Si les façades sur la place sont uniformes, les arrière-cours sont beaucoup plus éclectiques. On est à l'arrière. On est à l'arrière et on voit l'ensemble des façades. Ce serait intéressant parce que il y a une façade qui est composée de ces deux niveaux qui est la plus ancienne, avec des surélévations qui sont venues en plusieurs étapes
augmenter la capacité foncière de, cet ensemble. Et puis, là où nous nous trouvons, cette terrasse avec ses deux grandes verrières qui, finalement, est venue combler la cour d'origine pour, là encore, densifier et permettre à encore plus de personnes, ou en tout cas dans les surfaces beaucoup plus généreuses, d'habiter, d'avoir une adresse place Vendôme. Sous cette terrasse, notre architecte a réaménagé l'espace pour faire d'un vaste entrepôt des bureaux de prestige. Sur trois niveaux, les espaces se déploient sans autre source de lumière que la grande verrière. Et la lumière fut. Alors, il n'y a aucune fenêtre de créer, hormis la fenêtre verticale, la fameuse cinquième façade du mouvement moderne, donc là, sert à faire pénétrer la lumière. Et après, le jeu de diaphragme qui est fait avec des applications faites sur les verres pour les rendre plus ou moins opaques et permettre de garder une intimité tout en gardant cette capacité de perméabilité. Et ça, je pense que c'est très important parce que de la même manière que la lumière doit pénétrer, d'où que l'on soit à l'intérieur de ces bureaux, on voit la lumière. La place Vendôme est une adresse de prestige. Le luxe y a pris ses quartiers depuis la fin du 19e siècle. Dans les années 20, Gabrielle Chanel séjourne au Ritz. La forme de la place lui inspire le bouchon octogonal de son premier parfum, numéro 5. Le premier grand horloger à s'y installer est la maison Breguet. La maison Breguet est place Vendôme depuis 1927 et avec plusieurs adresses. Alors la première de 1927 à 1970, ça a été le numéro 28 dans cette direction, direction rue de la Paix. Ensuite, ça a été le numéro 10, juste en face de nous. Ensuite, il y a eu le numéro 7, derrière cette belle façade de l'angle. Ensuite, nous sommes partis au numéro 20, qui est l'angle exactement opposé, et le 6 depuis 2007. Donc on a fait le tour de la place. Emmanuel Breguet est le descendant de l'illustre lignée. La spécialité historique de la maison, ce sont les montres à grandes complications. Breguet est le génial inventeur du bouton remontoir et de la montre bracelet pour femme conçue pour la reine de Naples, sœur de Napoléon. Un modèle qui continue d'inspirer. Alors ça n'existait pas et donc Breguet a dessiné, a conçu pour la première fois une montre faite pour être portée sur le bras. Et d'après les archives, cette montre avait une forme oblongue et elle avait une face de lune, une réserve de marche, et c'est la raison pour laquelle cette montre contemporaine reprend certains éléments que nous avons retrouvés dans les archives et qui constituaient la première montre. Mais comme beaucoup d'inventions, que ce soit la montre bracelet ou le bouton de remontoir, les choses mettent beaucoup de temps à s'imposer. C'est qu'effectivement, on a la première montre bracelet pour Caroline Murat 1810-1812, le premier montoir sans clé 1830, mais ce sont des choses qui vont mettre des dizaines d'années avant de s'imposer et de se généraliser. Dans ce coffre, les archives de la maison permettent de tout connaître des modèles depuis le XVIIIe siècle. Après. Voilà, ben là en haut, vous voyez, ça s'est ouvert à la page de Son Altesse Royale, Madame la Duchesse d'Angoulême, donc la fille de Marie-Antoinette. Un fonds d'archives qui a permis d'ouvrir un musée unique avec des pièces historiques que la maison rachète dans les ventes aux enchères. Marie-Antoinette a été une des premières clientes de Breguet. L'impératrice Marie-Louise aussi. Sa montre reste un modèle d'élégance. À chaque nouveau modèle, Abraham-Louis Breguet crée, innove, surprend. Ça, c'est une vitrine qui est dédiée
à un type de montre très particulier, qui est aussi une invention de Breguet, c'est la montre à lecture tactile. Ça montre à tact, au sens du toucher. Donc on peut lire l'heure sans la regarder, avec une aiguille extérieure et 12 repères disposés autour de la boîte. Et en fait, c'est un peu comme... les gens appellent ça quelquefois aussi la montre pour aveugles. Et ces petits repères qui permettent de lire l'heure, ce sont soit des petites billes d'or, soit des petites perles, soit des petits diamants, soit des gros diamants, comme cette montre tout à fait magnifique qui est alors, la montre de l'impératrice Joséphine. Victimes de leur succès, les modèles les plus courants ont très tôt été contrefaits. Place Vendôme, la maison propose un service d'expertise unique. C'est une très jolie montre qui a beaucoup d'aspects Breguet par sa présentation générale, mais il y a des choses qui ne vont pas. Donc là, déjà, on a une signature Breguet Père à Paris qui n'a jamais été employée par la maison, donc c'est une signature de quelqu'un qui était mal renseigné. Et puis, en plus, au niveau du mouvement, c'est un joli mouvement du premier tiers du 19e siècle, mais on ne sent pas la patte de Breguet. Et donc ça, c'est une montre qui est un faux d'époque, donc qui est un faux de 1820 ou 1825. Et évidemment, les propriétaires de cette montre seront certainement très déçus d'apprendre que c'est une fausse. Enfin, encore une fois, c'est un faux d'époque, c'est une fausse ancienne, mais c'est une fausse. Nous traversons la Seine pour gagner l'île de la Cité. Adossé à la place Louis-Lépine, le tribunal de commerce est imposant. Sa coupole culmine à 45 mètres. Le tribunal de commerce est un des chantiers en cours de Florent Richard. Nous trouvons dans l'atrium ce grand péristyle comme une forme d'agora où l'ensemble des acteurs du commerce de Paris venaient se retrouver pour régler leurs différends. Et donc vous avez cette architecture monumentale avec ces grands chapiteaux corinthiens qui surmontent les colonnes cannelées et ça sur deux niveaux. Alors on voit effectivement que la recherche de style va se nicher jusque dans les détails puisque le monogramme de Napoléon apparaît une fois sur deux sur les chapiteaux, on peut plus dire corinthiens du coup, napoléoniens. Voilà. La pièce maîtresse du tribunal se trouve quelques pas plus loin. Alors là, c'est un lieu absolument sublime. Sans doute un des plus beaux escaliers du Second Empire, qui se développe avec un principe de fer à cheval pour rejoindre l'étage supérieur. Et donc on a une magnificence et une puissance de l'institution qui est largement révélée. Les allégories des arts mécaniques et du commerce maritime renforcent la solennité du lieu. Alors nous sommes sous le dôme qu'on aperçoit avec peine parce que des filets ont été mis en place et nous allons réaliser cette opération de restauration dans les mois qui viennent. Vous voyez le degré d'urgence d'intervention puisque parmi les 8 toiles de Jobet-Duval, il y en a certaines qui sont décrochées, affaissées et bien heureusement le filet retient tout ça. Florent nous entraîne sur les toits du tribunal, sous la protection obligatoire des pompiers de Paris. Ici aussi. Central, oui. Et tirer sur le centre d'ici pour bien se mettre. Parfait. Toujours rester connecté avec une pince. Voilà. Vous êtes connecté sur les deux côtés. Et le major sera derrière pour vous assurer. Nous sommes à plus de 30 mètres. Cette échelle est la seule voie d'accès au dôme. Voilà. Nous voilà. L'ascension est terminée. Sous la double enveloppe de la coupole, la voûte a souffert. Les toiles et les sculptures menacent de tomber. La dégradation est une dégradation qui est consécutive à des dégâts des eaux. Les bâtiments sont soumis aux intempéries et la plus grande fragilité
qui est la leur est souvent due à ces phénomènes. On voit ici à quel point les ravages sont avancés. Et hélas, on voit toutes les opérations de préservation qui ont été mises en place pour éviter la chute, avec des filets autour des éléments sculptés. Et puis les toiles de Jobé Duval, dont certaines sont encore bien en place, mais d'autres sont en voie de péril, avec un détachement des toiles qui étaient marouflées sur les murs et dont on peut apercevoir l'état vraiment dramatique. Florent estime qu'il faudra au moins un an pour restaurer la coupole et la mettre à l'abri. Tout au bout de l'île de la Cité se trouve une petite place reconnaissable entre toutes par sa forme triangulaire. La place Dauphine est une place royale, ainsi nommée en l'honneur du dauphin, le futur Louis XIII. Ici règne une atmosphère particulière de place de village. C'est quand même pas une Fanny, mais ça y ressemble. Hein. Le capitaine est une figure de la place. Toujours prêt pour une partie de boule. Attends, regarde. C'est notre boule, hein? C'est notre boule. T'es en train de nous dire qu'on est en handicap, là, en fait. 1, 2, 3, 4. 3, ouais. C'est déjà suffisamment mal comme ça, hein? Vous, vous êtes le socle de la place Dauphine, quand même, ici. Bah, un petit peu, oui. Ouais, je joue ici, quoi. Pas tous les jours, mais assez souvent. Depuis combien de temps? Ça fait plaisir. Ça fait, je ne sais plus combien, 30 ans, au moins. Et vous, vous jouez depuis longtemps, ici? Oh non. Un petit peu. On n'habite pas loin, en fait, c'est pour ça. Et alors, on peut se rappeler des petits moments du sud de la France, de la Provence, donc on vient ici. D'être en plein Paris, c'est quand même exceptionnel, de pouvoir jouer à la pétanque en plein Paris, c'est très sympathique. Vous voyez, il fait beau, il n'y a pas un bruit, il manque plus que les cigales, en fait, hein, pour être vraiment comme à Marseille. Ben voilà, comme ça c'est dit, comme ça c'est fait, voilà, comme ça on est, tu nous as mis d'accord. Bravo, mademoiselle. Bravo, championne. Bon, on s'en fait une ou pas? Bah oui. Dès qu'il fait beau, Grégory travaille la porte grande ouverte. Au début, je m'en rendais peut-être pas compte encore vraiment, je réalisais pas vraiment. La première année, j'ai pas vraiment réalisé en fait ce qu'était vraiment la place Dauphine. Et une fois que j'ai bossé, au bout de même pas 3-4 mois, c'est bon, hein, s'y fait en fait à cette place. Hein. Surtout que je suis arrivé en été, donc l'été, j'ai commencé dès l'été, donc été 2012. C'était merveilleux. C'était merveilleux, la porte grande ouverte dès le début. J'avais retiré en fait, parce qu'à l'époque, l'ancien gérant avait mis des rideaux, parce que lui était vraiment plus discret, plus timide, plus voilà. Et donc il voulait que le métier reste vraiment, vraiment caché, on va dire, un peu. Et moi, j'ai fait en sorte que ça soit ouvert, que les gens remarquent qu'il y a un atelier de reliure. Et même pour vous dire que je croisais des voisins à l'époque qui disaient « Mais vous êtes nouveau ici ?» Et je disais « Mais non, ça fait déjà... Il y a toujours eu un relieur depuis 1976. » Je disais « Mais c'est toujours fermé. » J'ai dit « Oui, l'ancien gérant fermé tout le temps. » Et maintenant que je suis là, maintenant, ça sera toujours grand ouvert. Grand ouvert, c'est tout. Dans les... Grégory répare donc ou fabrique des couvertures pour livres neufs ou anciens. Ce serait dans l'esprit. Vous avez votre gamme. En plus, comme c'est un livre assez moderne, on peut faire dans le classique moderne, en fait. J'adore ce genre de truc. C'est des papiers à la cuve, ça? C'est fait main, oui. C'est fait main, c'est superbe. Là, il y a un jeu de camaïeu. De toute façon, celui-ci peut être bon, vraiment. Oui. Donc, on pourrait choisir celui-ci et le remettre de côté. Attends. Et je vais vous montrer un peu les autres. Okay. On discute goût, couleur, choix. Comme ça, il y a un échange en trois dimensions. Il y a une tradition de reliure ici depuis plus d'un siècle. Hein. Donc, le relieur, il est ici. On a également un papetier, on a un libraire. Donc, je dirais que les arts et métiers du livre sont présents sur la place d'une façon très ancienne. Hein. Il y a encore du potentiel. Moi, je me dis, je pense que toute ma carrière, j'ai encore du boulot. Vraiment. Vraiment, les gens vraiment aiment encore le papier, et les gens aiment encore s'intéressent en plus au livre ancien et tout ça, vraiment, de plus en plus. Moi, je veux bien choisir. Et en effet,
Le travail ne manque pas. Les fleurons de style ou les fleurons de... Pas forcément, voilà. Des attributs. Un bateau pour... Marie-Ange, elle, est à la recherche d'un ornement particulier pour ses livres. C'est quoi ? C'est Marius, après c'est Fanny, après c'est César. Et pourquoi venir ici, place Dauphine, alors ? J'ai l'impression d'être en vacances en Italie quand je suis là. Certains passent en voisin. Quand la porte est ouverte, on s'arrête de voir Grégory. Ben, Grégory, oui, lui, celui-là, là, cet oiseau, il fait de belles choses. Il fait de très belles choses, il doit continuer. Je ne vais pas dire que ce n'est pas mon fils, parce que je suis vieux et lui, il est jeune. C'est un peu un frère. J'ai une MJC ici. C'est vraiment pas, c'est pas un atelier de reliure, hein. C'est un peu de la MJC du quartier. Tous les voisins s'arrêtent, les riverains, les voisins commerçants, les touristes qui s'arrêtent à chaque fois, qui veulent savoir le métier, c'est tout le temps comme ça. Je suis toujours dérangé, tout le temps. Mais ça me dérange, en fait, ça me dérange pas, moi j'adore ça. Si le travail de reliure supporte les visites, celui de son collègue d'horreur à l'entresol demande un peu plus de solitude. Patrick Remoissonnet porte la dernière touche à la restauration de livres anciens. Donc on met d'abord la craie, ensuite on couche la feuille d'or, et puis après bah on pousse soit le fleuron, soit une palette, ce genre de matériel, pour ensuite faire le décor. Tout est question de minutie et de degré. Normalement l'or, c'est à entre 92 et 95 degrés Celsius. Donc pour être sûr d'avoir la bonne température, on le met sur une éponge mouillée. Donc tant que ça chante sur l'éponge, c'est que c'est au-dessus de 100 degrés. Et dès que ça chante plus, c'est que je suis à la bonne température. Voilà. Et donc maintenant, je peux pousser mon titre. Les mots se composent lettre après lettre. La palette des fleurons est infinie et compte aussi des blasons, comme celui de Napoléon Ier. Depuis les toits, la place Dauphine se révèle autrement. La différence pour moi entre ces places comme place Vendôme ou comme place des Vosges, que j'adore, c'est la subtilité de la langue française qui peut le déterminer. C'est-à-dire que la place Dauphine, c'est une jolie place, contrairement aux belles places que sont la place Vendôme, la place des Vosges. C'est une échelle plus humaine ? Plus française, c'est-à-dire plus subtile quelque part. Et sûrement plus humaine, bien sûr, parce qu'il n'y a pas ce côté plus rigide et peut-être ostentatoire dans certains cas. La rupture que vous avez justement dans le style, etc., crée justement un mouvement, crée une sympathie, crée une vie. Yves Clément est aussi tombé sous le charme de la place Dauphine. Il s'est installé ici il y a 6 ans. L'artiste recherchait autant un atelier pour ses créations qu'une galerie d'exposition. Je vous montre quand même la vue de l'autre côté, parce que c'est ça qui est assez surprenant. C'est que d'habitude, on a une très belle vue d'un côté, et après l'arrière-cour, c'est le local poubelle. Donc je vais vous montrer mon arrière-cour. Toute la rive droite s'étend à nos pieds. Le Louvre domine les ponts de la Seine. On voit même jusqu'à l'Arc de Triomphe ou la verrière du Grand Palais. C'est du cinémascope, vous voyez, ce qui est très rare, c'est que de chaque côté, on a une vue grand écran. C'est ce qui est très intéressant, justement, surtout de l'implantation de cet immeuble et cet appartement, c'est qu'on a deux univers complètement différents. On a ici le vieux Paris, avec les clochers, etc. Et puis ici, on est dans la ville avec justement son activité, ses nuisances sonores, si on peut dire, mais c'est quand même la vie d'une ville, c'est ce qui est bien. Et même au niveau architectural, on n'est plus dans le même siècle. Retour sur la place de la Bastille. Depuis 1982, chaque premier jour de l'été, les musiciens s'invitent sur les places de Paris pour la fête de la musique.
L'été dernier, le chœur Total Praise de Seine-Saint-Denis investit la Bastille. Chacun se concentre avant cette première. Diane est particulièrement fière de se produire ce soir. La place de la Bastille, c'est un endroit qu'on aime particulièrement, chargé historiquement, donc pour nous c'est vraiment un privilège extraordinaire. Le gospel a un message positif et on est content de partager ça avec le public. Donc oui, ça fait un peu, voilà, venez vous réjouir avec nous, on accepte tout le monde et vous allez voir, ça va déménager. La fête de la musique est née en France. Aujourd'hui, 110 pays dans le monde l'ont adopté. Ce soir, la place est à tout le monde. Et quand une grande voix du rhythm and blues, Linda Lee Hopkins, prend le micro, c'est toute la place qui bascule. Pour un soir, la place devient un cœur qui bat et fait danser la ville. Droite à la rive gauche, des places de pouvoir et de rassemblement jusqu'aux places dédiées au savoir, nous voici au pied du Panthéon. Cette place a été conçue comme un écrin autour de ce monument central dédié aux grandes figures de la nation, des hommes et plus récemment des femmes. Juste à côté de la faculté de droit se trouve la bibliothèque Sainte-Geneviève et ses 2 millions d'ouvrages à consulter. Sur les façades sont gravés les noms de 810 auteurs célèbres. Cette frise retrace l'évolution des sciences et des savoirs depuis l'Antiquité jusqu'en 1848, date de la construction de l'édifice. Nous sommes sur la montagne Sainte-Geneviève et elle domine le quartier latin. Depuis le Moyen-Âge, ce quartier concentre les écoles les plus renommées. Je vous emmène justement dans le prestigieux lycée Henri IV, qui n'a pas toujours été un lieu d'enseignement. Avant d'être transformé en lycée au début du 19e siècle, ce bâtiment était une abbaye royale. Aujourd'hui, il n'en reste que ce cloître et ce clocher médiéval, la tour Clovis. Les étages inférieurs sont de style roman, ils datent du 12e siècle. Les étages supérieurs sont de style gothique. Rares sont ceux qui peuvent accéder au sommet. Je vous emmène maintenant à 45 mètres de hauteur. D'ici, on embrasse du regard toute la rive gauche jusqu'à la cathédrale Notre-Dame. On aperçoit notamment la Sorbonne, reconnaissable à son dôme et à son observatoire. Juste derrière, on devine le boulevard Saint-Michel qui remonte de la Seine. C'est un axe central de ce quartier latin. Et puis, tout près de nous, presque à portée de main, le Panthéon.
Nous dominons l'une des plus imposantes places de la rive gauche, mais bien d'autres sont à découvrir et chacune a son atmosphère. Le bouillonnement de Saint-Germain-des-Prés, la vie de quartier de la Butte aux Cailles ou encore le cérémonial de l'hôtel des Invalides. Nous sommes allés à la rencontre de tous ceux qui sont l'âme de ces places. C'est un film de Claire Lajeuny et Julien Viala. Au cœur du 6e arrondissement de Paris, la place Saint-Germain-des-Prés est l'un des symboles de la rive gauche. Ici s'élève l'une des plus anciennes églises de Paris. Elle est célèbre pour son imposant clocher qui culmine à plus de 30 mètres. Nicolas d'Estienne-d'Orve est un enfant du quartier. Écrivain, il a publié plusieurs ouvrages sur la capitale. C'est une place que j'aime beaucoup, d'abord parce que mon père et ma grand-mère vivaient juste derrière, donc j'ai beaucoup joué dans ce quartier. C'est une des places les plus connues, la plus représentée sur les cartes postales, sur les petits chromos. C'est toujours autour de ce carrefour que tout s'est passé. C'était bon, certains lieux de rendez-vous, mais l'explosion de ce quartier, c'est l'immédiate après-guerre. Voilà, l'arrivée du mouvement existentialiste, les fameuses CAF de Saint-Germain-des-Prés qui venaient des boîtes de nuit, Sartre et Beauvoir en terrasse des Demagos et du Flore. Le moment de la libération de Paris, c'était le moment aussi de la libération des mœurs, de la libération de tout. L'arrivée du jazz, les prémices du rock, tout ça arrivant en Europe. Et tout ça s'est installé dans les cafés. Disons que la littérature se retrouvait au Flore et plus la politique peut-être se retrouvait chez Libre. En face des célèbres cafés, une institution. Il est 9h du matin. Comme chaque jour, Claude Guittard, le directeur du restaurant, s'occupe des derniers détails de la mise en place. C'est une des plus vieilles brasseries de Paris, 1880, 2017, 137 ans, que c'est là, au même endroit, et qu'on fait la même chose. Que le lundi, on sert des pavés au poivre, que le mardi, on sert de la blanquette de veau, et qu'aujourd'hui, mercredi, ce sera foie de veau ou bœuf mode. C'est vraiment des incontournables. Une carte qui traverse les époques. Tout comme ce cadre Art déco, classé monument historique depuis près de 30 ans. Le décor ici date de 1920, il n'a pas bougé. Les plafonds, ces scènes de chasse. Les oiseaux exotiques qu'on a sur la frise du haut, ces perroquets, la frise de céramique, ça, c'est une fleur de houblon. N'oublions pas qu'on est dans une brasserie, ça rappelle la bière. Ici, on est au paradis. Les meilleures tables pour être vues et pour voir aussi. La petite astuce, les miroirs qui sont un peu penchés de 10 degrés. On est blasé un peu à Saint-Germain, donc on se retourne pas, donc on voit très bien qui rentre, mais la personne qui rentre voit tout à fait qui est sur la chaise. N'importe qui de dos est vu. C'était la table de François Mitterrand, par exemple, donc important. Mais c'est aussi la table de Vincent Lindon ou de Jean-Paul Belmondo. Ici, chaque détail a une histoire. Toutes les pendules avancent de 7 minutes. En partant d'ici, nos chers députés mettaient 7 minutes pour aller à l'Assemblée. Mais en partant d'ici pour aller au Sénat, il faut 7 minutes. Donc ils avaient l'impression de partir en retard, parce que c'est toujours comme ça, autour d'un bon repas ou d'une belle bouteille, on peut s'attarder. Et ils arrivaient à l'Assemblée ou au Sénat, ils étaient pile à l'heure à la séance. Et ça n'a pas changé. Au même moment, le chef démarre son service. Voilà, c'est bien. Attention, regarde, regarde. Au sous-sol, dans les anciennes caves, les cuisines du restaurant, où s'active toute une brigade. Là, vous avez mes échalotes confites à l'huile de pépins de raisin, mes lentilles, voilà, mes œufs pochés, mes flageolets, mes petites pleurotes sautées. Hein, ici, on a à peu près 10 garnitures tous les midis à chaque service. Hein, ça cuisine. Il est midi. Le service commence. 33 personnes, maître d'hôtel et chef de rang, se relaient pour un service jusqu'à 1h du matin, comme tous les jours de la semaine. En cuisine, la tension monte. On va avoir une choucroute libre directe. Les commandes s'enchaînent entre le plat du jour et les incontournables de la maison, comme les riz de veau.
C'est vraiment un plat qui s'identifie dans ce genre de maison. C'est vraiment des plats de bistrot. Les gens avaient boudé les abats depuis très longtemps. Et aujourd'hui, c'est devenu vraiment un plat signature. Travailler dans une belle maison comme ça, j'en rêvais. On dirait que voilà, j'ai accompli ce que je voulais, quoi. Une belle équipe, des vrais soldats, des gens qui sont là depuis longtemps. Je pense qu'ils sont bien. Après, c'est éprouvant. C'est des maisons difficiles. Vous avez vu l'espace. On a quoi, 15 mètres carrés pour envoyer 500, 600, 700 couverts par jour. Mais bon, après, quand il y a la passion, c'est bon. C'est top. En salle, le chef d'orchestre, c'est Claude Guittard. Vous voulez là ou là-bas? Là. Là ou là? C'est lui qui gère chacune des tables. Menu, je le donne. On accueille les clients, parce que comme on ne réserve pas forcément, il faut que le client qui pousse la porte tambour soit accueilli tout de suite. S'il n'a pas de réservation, il faut qu'il soit pris en charge. Notre premier métier, c'est l'accueil. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Je suis rentré ici le 17 janvier 1992. Dès le premier jour ici, le lieu pour moi était magique. Tous les jours, on en rentre ici. C'est toujours un plaisir de pousser la porte tambour et de rentrer dans ce lieu. On s'attache à la maison, mais on s'attache au quartier de Saint-Germain. Il y a toute une ambiance qu'on retrouve nulle part ailleurs. C'est un petit village et c'est un quartier très habité. Beaucoup de quartiers de Paris, il y a beaucoup de bureaux, beaucoup de commerces. Et ici, dans les immeubles, c'est beaucoup de gens qui habitent ici. Donc ça donne une vie particulière. Ici, le village s'est développé autour de son église, fondée au VIe siècle. Le père Antoine de Folleville veille sur cet édifice depuis 2 ans. Quand on parle de Saint-Germain-des-Prés, pour tout le monde, c'est la figure du clocher. Aujourd'hui, dans le quartier, tout le monde se repère en regardant le clocher au loin. Quand on parle de l'histoire, tout le monde a immédiatement l'image du clocher en tête. Le clocher a été fondé en 1014 et nous avons encore toute la charpente bien solide qui est là. Et de temps en temps, j'avoue être content de venir admirer ce travail de l'époque, ainsi que les cloches qui sont plus tardives pour le coup, mais qui ont encore pas mal d'années devant elles. C'est le plus vieux clocher de Paris et malgré les aléas de l'histoire, les guerres, la révolution, ce clocher-là a subsisté. Il est encore bien là, bien solide, comme quoi le travail des générations précédentes était de qualité. À l'intérieur de l'église, un chantier colossal. Émilie Chécroun est restauratrice du patrimoine. C'est elle qui conduit les travaux. Alors là, on se trouve dans le transept sud et en fait, on est en train de monter les premiers étages où on peut voir les décors de cette partie de l'église qui sont toujours très encrassés et très noircis par les suies des bougies et des offices de l'église. Et on a une grande structure comme ça qui fait un pont au-dessus de l'hôtel pour que les offices puissent continuer pendant les travaux. On travaille à tous les étages parce que les décors sont absolument partout. Il n'y a pas un recoin de l'église qui ne soit pas peint. Donc tout doit être traité. Ça avance comme vous voulez. Alors le bleu, par contre, je sais pas, hein, le bleu dessous. On voit rien. Sous la coupole, c'est une équipe de plus de 30 personnes qui nettoie, répare et recrée les 1900 mètres carrés de décor de l'église. En fait, dans cet espace-là, on a le résultat du avant-après décrassage. C'est-à-dire que cette partie-là, qui est encore très sombre, est juste dépoussiérée, ce qui enlève quand même une quantité de crasse assez importante. Et ici, c'est décrassé, donc ça donne une idée de l'état dans lequel se trouvait la voûte avant qu'on commence à intervenir. Donc là, on a le cumul bougie, encens, pollution. Donc on vient ramasser un cumul d'un certain nombre d'années. Les fresques murales font également l'objet d'un nettoyage spécifique. Donc ça, c'est une peinture qui a été réalisée à la cire. Et en fait, ce que je fais, c'est que je les décrasse d'abord pour retrouver ce qu'on a en dessous, parce que finalement, c'est pas mal. Donc là, je passe plusieurs fois parce que la trame de la toile est assez épaisse. Et j'ai beaucoup de crasse à l'intérieur de mes croisements trame et chaîne.
Et pas de l'eau et du savon. On part sur une base d'eau, mais on part pas avec de l'eau du robinet, on part avec de l'eau déminéralisée parce qu'on veut qu'il n'y ait rien dedans. Et on vient y mettre les ingrédients qui nous intéressent et qui vont avoir une action utile dans le contexte dans lequel on se trouve. Et on est très content que ces peintures soient à la cire. On aurait des peintures avec une technique différente, avec un liant différent. On aurait potentiellement des peintures plus poreuses qui pourraient laisser filer davantage l'eau et on pourrait être embêté avec une technique aqueuse. Ici, c'est pas le cas et on est ravis. Quand on rentre pour la première fois dans l'église, on voit même pas qu'il y a de la couleur. Parce que c'est tellement encrassé, c'est tellement jaune et brun et tout sauf coloré, qu'on la regarde pas en fait. Ça fait quand même des années et des années qu'on ne regarde plus ces peintures. C'est presque une renaissance. Après 2 ans de travaux, une première tranche de restauration vient tout juste de s'achever. Les décors du cœur des moines retrouvent leur flamboyance. Ce chantier d'exception est encadré par Pierre-Antoine Gattier, architecte en chef des monuments historiques. À l'issue de la restauration, on découvre cet ensemble très vif, coloré. Certains m'ont demandé, mais alors, vous avez tout repeint ? Non, rien n'est repeint. Et c'est le décor qui existait derrière tous les dépôts noirâtres. Le grand décor de Saint-Germain-des-Prés est totalement détruit à la Révolution. On commence en 1840 un grand chantier de restauration à l'initiative de Victor Baltard, le grand architecte des Halles, et qui a la responsabilité du décor des églises parisiennes. La vision de Victor Baltard, c'est que tout ceci doit être en couleur. Donc commence une aventure extraordinaire, donc ce dialogue incroyable entre une création du 19e siècle et une architecture gothique ancienne que l'on veut magnifier. Ceci, que nous découvrons après restauration, est un chapiteau gothique totalement repeint au XIXe siècle. Et si l'on regarde un ouvrage comme celui-là, sa composition colorée est totalement au service de l'architecture. Une palmette est bleu turquoise. L'épaisseur de la palmette est rouge. La limite de l'ornement est dorée. Puis, ce trait noir qui suit, en fait, tous les éléments de l'architecture. C'est incroyable. Je dois dire que je n'ai jamais imaginé l'éclat qu'allait représenter cette architecture après ce nettoyage et cette restauration. Donc c'est vraiment unique. Juste derrière l'église de Saint-Germain-des-Prés, Nicolas Destienne-Dorve nous emmène à la découverte d'une petite place discrète. On se trouve place sur Steinberg, qui est peut-être la plus jolie, la plus charmante, la plus délicate des places de Saint-Germain-des-Prés. S'il y a un rendez-vous pour les amoureux, c'est vraiment celui-ci. Mais ce qui est amusant, c'est qu'en fait, c'est une place qui n'existe pas. En fait, on est rue de Fürstenberg, parce que le cardinal de Fürstenberg était abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Donc, en fait, on était sur ses terres, tout simplement. On était ici, à l'intérieur de l'enceinte de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Il y avait une cour des écuries qui aurait été sans doute cette place. C'était pour permettre aux calèches et aux chariots de pouvoir tourner. Tout simplement. En fait, c'est un rond-point. C'est le plus vieux rond-point de Paris, sans doute, ou l'un des plus vieux. Le roi de Pologne a été l'invité du cardinal de Fürstenberg et en cadeau, il a donné ces 4 arbres qui sont des Polonia. C'est des arbres qu'on voit assez peu, avec ces feuilles énormes. C'était un endroit très ombragé, qui est tout à fait joli. Et c'est ça qui est agréable, c'est que c'est une place qui se découvre, j'allais dire qui se mérite, un peu comme un cadeau, une surprise. Nicolas Destienne-Dorve nous a réservé une autre surprise. Nous quittons Saint-Germain-des-Prés pour la place Vauban, derrière les Invalides. Ici se trouve un immeuble art déco, à l'architecture étonnante, qui évoque la proue d'un paquebot. Au dernier étage, un duplex avec l'un des points de vue les plus remarquables de Paris.
là, on a beaucoup de chance. On est vraiment dans un de ces appartements qu'on ne devine pas depuis la rue. Vous savez, parfois, on lève le nez, on s'est dit, qu'est-ce qu'on doit voir là-haut? À quoi ça ressemble? Voilà. C'est un appartement qui appartient à un ami, qui a eu la gentillesse de nous permettre de se promener sur sa terrasse. Et c'est cette espèce d'immeuble miraculeux avec des vues comme on rêverait d'en avoir et comme c'est le genre d'appartement qu'on ne voit que dans les films, en fait. Et dans cet appartement, sur cette terrasse, a habité, de 1934 à 1940, Antoine de Saint-Exupéry. Il y a d'ailleurs une photo de lui appuyé sur la rambarde, juste avant la guerre. Donc c'est le dernier endroit où a vécu Saint-Ex. Donc le petit prince était assis là. On voit à peu près tout. C'est un phare planté dans la capitale. C'est une vue à 360 degrés. Les Invalides, voilà, c'est très impressionnant. On a le Sacré-Cœur, le Grand Palais. C'est juste absolument prodigieux parce qu'on a Paris à sa porte. Surtout, on a l'impression qu'on peut attraper les monuments et les mettre dans sa poche et les dérober aux Parisiens. Et ça, c'est très, très, très jouissif. En contrebas, le square d'Ajaccio. Un petit jardin créé par le baron Haussmann au milieu du 19e siècle pour apporter de la verdure à la ville. En ce début de printemps, Christophe Guilherme et ses jardiniers changent les parterres de fleurs. Voilà. Encore un peu plus là, un tout petit peu, très bien. Voilà, remets le droit, trop là, voilà. T'attends. Un peu trop, très bien. Les décorations florales dans les jardins haussmanniens, en général, c'était très souvent même, c'était une plante de bordure, plus après du bourrage de plantes à l'intérieur et deux, trois plantes dominantes au milieu. Un rouge maintenant ? Un rouge. Ce jardin-là, c'est un jardin, ce qu'on appelle haussmannien, un jardin paysager. Ils sont tous conçus plus ou moins de la même façon. Ils travaillaient beaucoup les perspectives, on créait des massifs, appelés aussi des petits bosquets, et on invitait les gens à cheminer tout au long du parcours de ces allées. Et on faisait découvrir une statue, une corbeille florale, une scène de jardin. On mettait des arbustes plus grands au fond, sur le devant un petit peu plus petit. Et on travaillait les couleurs, hein, ce camaïeu de vert, qui était très, très, très important. Dans ce jardin, quelques arbres centenaires, comme ce platane d'Orient. À sa circonférence, ici, à 1 mètre, vous avez 4,65 mètres. C'est énorme, c'est un grand pépère. Il a vu des décennies de jardiniers. Voilà. Dans les jardins haussmanniens, vous en retrouverez souvent. Ça, voilà. Pour nous, nous sommes vraiment dans le 7e arrondissement. Et on arrive très bien à penser qu'on est ailleurs que au sein d'une grande ville comme est Paris. Parce que ces petits jardins qu'on retrouve ici, c'est vraiment l'endroit où on va pouvoir se reposer, se détendre, ne pas apercevoir le bruit qui nous entoure. Alors bien sûr, nous, jardiniers, on voudrait vraiment que ce soit tout le temps... Voilà, parfait, mais non, malheureusement, il faut laisser ces espaces-là aux Parisiens qui puissent en profiter un maximum, ça leur appartient. Pour écrire ses livres, Nicolas d'Estienne-Dorf s'inspire des différentes ambiances de la rive gauche. La place Saint-Michel est au cœur de son quartier de prédilection. On est un peu dans une sorte d'hypercentre de Paris. C'est-à-dire qu'on est à un nœud de communication. On est à peu près à équidistance de tous les grands centres, disons, historiques. C'est exactement là que passait la fameuse voie romaine qui allait du sud au nord de Paris, qui montait jusqu'à Senlis. Donc on est vraiment... Voilà, on est au cœur du quartier latin et du quartier aussi gallo-romain. Donc c'est forcément un lieu d'histoire. La fontaine est intéressante. Parce que sous Napoléon III, au départ, ils avaient pensé mettre une statue de Napoléon Ier. Et on a changé, peut-être qu'ils voulaient éviter de faire un peu trop de propagande. En tout cas, on a décidé de faire quelque chose de plus écuménique et en fait de plus religieux, puisqu'on était chez Saint-Michel, donc il y a une statue de Saint-Michel très classiquement. Et c'est vraiment un lieu de ralliement d'étudiants le soir, un lieu de rendez-vous des amoureux. C'est un vrai lieu de brassage. Et d'ailleurs, j'écris, mes romans se passent tous dans ce quartier. Au pied de la fontaine se joue aujourd'hui un spectacle de rue un peu particulier. Le jeune Lucifer, le plus beau de tous les démons, s'étant aussi qu'il en fut le plus curieux de savoir les secrets de celui qui règne sans partage au haut des cieux, l'archange aux ailes de lumière, qui répondait par le dédain aux injures du pauvre diable. Il s'agit d'une pièce de théâtre qu'on va jouer à l'extérieur et qui est produite par le théâtre de la Huchette. C'est un théâtre mythique qui se trouve de l'autre côté de la rue, au 23 de la rue de la Huchette. Ouvert depuis 1948, ce théâtre est unique à Paris.
On a de la place si vous voulez ce soir. Donc à 19h la cantatrice chauve, 20h la leçon. Allez, la cantatrice chauve. 28 euros. Vous jouez la leçon jusqu'à quand? Bah, ça fait 60 ans qu'on la joue. Ah, mais vous jouez tout le temps les mêmes pièces, en fait? Depuis 60 ans, on joue la cantatrice chauve et la leçon. Donc je pense qu'on va la continuer, j'espère, encore 60 ans. Bah, merci beaucoup. À ce soir, alors? Ouais, ce soir. C'est un record du monde, alors ça, évidemment, ça la scotche un peu que deux pièces soient jouées sans discontinuer tous les soirs depuis 60 ans. Je pense qu'elle n'imagine pas ça. Une pièce, ça joue deux mois, trois mois ou trois fois, mais 18 500 et quelques, non. Le plateau n'est pas très grand, mais y a des grands acteurs qui ont commencé ici, comme Belmondo, Mocky, Trintignant, Tila Shelton. Il y a eu du monde, il y a eu du beau monde. À l'intérieur, l'une des plus petites salles de Paris. Il y a 90 places ici et chaque fauteuil a un nom. En fait, il y a deux ans, on a fait un appel pour financer ces fauteuils. Ceux qui voulaient acheter leur fauteuil avaient leur plaque au dos de ces fauteuils. Alors là, vous avez, par exemple, quelqu'un d'un peu connu qui s'appelle Pierre Arditi. Alors c'est assez drôle parce que Pierre Arditi, en fait, quand il était tout jeune, son père a fait un décor en 1955 ou 56. Et donc il allait dans cette salle et il regardait les répétitions de son père qui faisait le décor. Donc en souvenir de son père, il a acheté un fauteuil à son nom. Gonzague est l'administrateur du théâtre. Il s'occupe aussi de la mise en place. Marie, tu peux apporter le mobilier? Tout est pensé. Surtout pour la perspective et pour l'impression d'un décor immense. En fait, on a l'impression que c'est un décor immense. 10 minutes pour monter le décor. Tous les décors des troisièmes spectacles et de la leçon sont cachés derrière ce mur, ce faux mur en tôle. Tout est là, donc il y a toute une science à avoir. Voilà. Merci, merci. Il est 19h, le spectacle va commencer. Merci. Merci. En coulisses, 5 comédiens se préparent à monter sur scène. Depuis 60 ans, une cinquantaine d'acteurs se relaient pour interpréter à tour de rôle la pièce. Non, j'ai le trac, là. Comme on joue 15 jours tous les deux mois et demi, on fait des séries de 15 jours tous les deux mois et demi. Donc c'est pour ça qu'on a besoin à chaque fois de revoir le texte. Eh ben du coup, c'est comme une première, à chaque fois. Oui, c'est ça. Ça nous a empêché de nous scléroser, c'est pour ça que ça dure depuis 60 ans. Moi, je dois dire, je suis assez ému quand des fois j'y pense pendant le spectacle. Je me dis là, je suis en train de dire telle réplique et de faire tel geste, ou là où sont passés déjà 300 Monsieur Smith. Et je trouve ça émouvant. Merci, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous allez assister à la 18 617e présentation. Et bon spectacle à vous. Intérieur bourgeois anglais, soirée anglaise. Mais vous qui voyagez beaucoup, vous devriez pourtant avoir des choses intéressantes à nous raconter. Dis chérie, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Tous les soirs, ça réagit de la même façon et aux mêmes endroits. Il a fait ça tout seul. Clandestinement. Oh, mais c'est pas moi qui aurais dénoncé. Moi non plus. Au sud, le lion de Bartholdi est le gardien de la place d'Enfer Rochereau. Au numéro 1, le cimetière souterrain des catacombes, un musée ouvert à la fin du 18e siècle. Chaque année, près de 500 000 personnes le visitent. À quelques mètres de là, un lieu interdit au public. Derrière cette porte, d'autres souterrains. D'anciennes carrières de pierre abandonnées depuis la fin du XVIIe siècle. Sylvie est à la tête du groupe d'intervention et de protection de la préfecture de police de Paris.
Attention à la tête. Aujourd'hui, avec son équipe, elle inspecte ses souterrains. C'est vrai qu'ici, on est à 20 mètres sous terre, sous Paris. S'il n'y a pas de lumière, on est dans le noir complet. C'est le silence. On peut ne pas se rendre compte du temps qui passe. On est les seuls policiers à faire ça. Donc on met un casque, la lampe frontale, et puis on patrouille dans des galeries d'inspection. Alors là, on est sous le 14e maintenant, rue Notre-Dame-des-Champs. On est sous la voie publique, et donc c'est précisé. Vous avez le nom de la rue qui est indiqué en carrière. C'est strictement interdit de circuler ici. C'est un arrêté préfectoral du 2 novembre 1955 qui interdit à toute personne de circuler dans les anciennes carrières de Paris. Il y aura toujours des gens pour essayer de forcer les passages. Voilà, on les appelle les cataphiles. Alors là, vous avez de tout. Hein. Ça va du lycéen jusqu'à des chefs d'entreprise, grands chirurgiens. Il y en a qui viennent pour l'histoire. Puis ensuite, il y a ceux qui viennent surtout pour être tranquilles. Petite soirée avec alcool et un petit peu de... cannabis peut-être, voilà. Donc nous on est là pour éviter qu'il y en ait trop et faire le travail de police. Attention, marche descendante. Ouais, ça glisse. C'est risqué quand même. Les sols sont glissants, on peut taper des blocs, les murs peuvent s'effondrer, donc on peut avoir des blessés. C'est compliqué pour les secours. La semaine dernière, nous avons recherché deux gamins de 16-17 ans. Ça nous a employé la moitié de notre astreinte la nuit, donc il faut espérer que pendant ce temps-là, il ne se passe rien d'autre de plus important dans Paris. Les pompiers, c'est pareil, peut-être la moitié de leur équipe, juste pour deux gamins qui, là, ont voulu tenter leur chance et explorer, et se sont perdus. Donc, vaut mieux éviter ça. Dans ce labyrinthe interdit, même les plus aguerris se perdent. Oups, on a dû rater une route à droite ou à gauche, et voilà. Pourquoi ça ne continue pas tout droit? C'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Si, peut-être, admettons. On va repartir par là, et il nous faudrait une intersection à gauche avec un puits, sinon je nous déclare égarés. Alors le réseau est super grand, hein. Entre 250 et 280 km de réseau, à peu près. Évidemment, on ne connaît pas tout, on ne connaît pas toutes les galeries. Hein. Ça, c'est clair et net, on ne passe pas par toutes les galeries à chaque fois. Ça demanderait beaucoup trop de temps et beaucoup trop de monde. On ne se perd pas, on peut s'égarer. On sort des sentiers battus, on avait quelque chose de prévu et on fait autre chose. Et on découvre autre chose. Ça peut être bien. Après 4 heures d'exploration, les policiers terminent leur mission. Alors, nous sommes rue d'Assas, sous le 6e arrondissement. On est en train de marcher direct sur la place Saint-Sulpice et on se déplace. Direction la sortie. Hop. Au même moment, à la surface, Dominique Lesbrosse arrive sur sa place préférée. Nous sommes sur la place Saint-Sulpice avec cette fontaine monumentale qui est une œuvre de Visconti. Elle n'est pas sortie de terre en même temps que l'église. Elle a surgi au milieu du 19e siècle, à un moment où Paris se dotait de l'eau courante. Alors, cette fontaine officiellement s'appelle la fontaine des quatre orateurs sacrés, mais personne ne la connaît sous ce nom-là. Elle est surnommée la fontaine des quatre points cardinaux et c'est un jeu de mots. Basé sur le fait, d'une part, que la fontaine soit orientée selon les quatre points cardinaux, et aussi parce que les personnages qui trônent assis dans des niches, ce sont des évêques, et des évêques qui n'ont jamais pu accéder au rang si convoité de cardinal, donc points cardinaux. Dominique est auteur de nombreux ouvrages sur les lieux secrets et insolites de Paris. Alors, ce qui me plaît, c'est de montrer, de mettre en valeur des petites choses, des détails curieux, bizarres, que les gens ne voient pas. Par exemple, sur l'église, les tours, pareil, si on passe devant, on peut, sans les regarder, on se dit, bon, bah, c'est une église avec deux tours. Mais regardez-les, ces tours. Elles sont complètement différentes l'une de l'autre. Il y a la belle et la bête. On se demande, mais pourquoi c'est comme ça? Le premier architecte a produit deux tours à l'image de la tour sud.
Mais cette idée a déplu à la paroisse. Donc on fait appel à un deuxième architecte qui, lui, a construit la tour nord. Alors là, c'était parfait. On envisageait de refaire pareil avec la tour sud, sauf que, bingo, la révolution éclate. Donc c'est raté. Et voilà pourquoi on a ces deux tours qui sont des fausses tours jumelles, pas à la même hauteur. Sur la place, juste en face de la fontaine Saint-Sulpice, à la mairie du 6e arrondissement, le temps presse. Car aujourd'hui, c'est le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été. Et pour Antoine Walter, horloger à la mairie de Paris, c'est la période la plus chargée de l'année. Deux fois par an, on est mobilisé, hein, on a une astreinte pour remettre à l'heure toutes les horloges de la ville de Paris. Donc il faut se déplacer sur les sites et on a à peu près 4 jours pour faire ce travail. Première étape, remonter ce mécanisme du 19e siècle. Ici, pas d'électricité. Ce sont ces poids qui font fonctionner le mouvement du balancier. Donc maintenant que je viens mettre à l'heure d'été, donc en venant à désolidariser le mouvement du cadran, je tourne d'un tour entier. C'est technique, mais à la fois c'est très simple, c'est-à-dire qu'on pourrait s'imaginer dévisser des choses avec des grosses clés, intervenir à 2 ou à 3. Et au final, les horlogers, ils avaient fait des systèmes très complexes dans leur fonctionnement, dans les calculs, dans la fabrication, dans la mise en place. Et à la fois, ils ont aussi pensé à l'entretien, c'est-à-dire comment remettre une horloge à l'heure facilement, sans avoir une grosse manipulation et quelque chose qui demande un attirail compliqué. De temps à autre, il faut refluidifier l'huile. À ce moment-là, on va remettre un peu d'huile sur la roue d'échappement. Et si on refluidifie le système, bien entendu, bah, ça va participer au bon fonctionnement de l'horloge tout au long de, on va dire, du mois ou des 2 mois à suivre, quoi, on va dire. Après avoir réglé la machinerie, Antoine vérifie par transparence la qualité de son travail. C'est vrai que sur ce genre de mécanismes qui ont plus de 100 ans, la plupart du temps, on n'aura jamais une heure la plus précise possible comme on pourrait le demander à une horloge électronique qui, elle, justement, va vibrer avec une fréquence très importante. Nous, nos mouvements mécaniques restent des mouvements mécaniques. On va quand même avoir cette notion de pouvoir remettre à l'heure l'horloge la plus exactement possible, mais nous pourrons toujours avoir peut-être 20, 30 secondes, 10 secondes de retard ou d'avance, ce qui n'enlève rien au charme de l'horloge. Ce qui fait aussi le charme d'une horloge mécanique. Donc ici, c'est le petit plus de notre travail, c'est de pouvoir accéder à des vues un peu extraordinaires, puisqu'on est au-dessus des toits de Paris. On voit le Panthéon, on peut voir la tour Montparnasse, puis en même temps la tour Eiffel. Mais le plus important pour nous, c'est de pouvoir avoir une vue assez importante de la place en elle-même, puisque quand on est en bas, on n'a pas cette vue globale. Et d'ici, on peut tout voir, le parvis et puis les différentes personnes qui s'y baladent, qui s'y promènent. Dominique arpente la ville à la recherche de nouveaux lieux à découvrir. Comme cet imposant monument du 18e siècle qui vient tout juste d'être rénové. Alors ici, on se trouve sur une place que vous ne connaissez probablement pas. C'est une nouvelle place, mais à la fois c'est une place très ancienne. On est au cœur d'un bâtiment qui a longtemps été très fermé, très secret et méconnu, aussi protégé qu'une forteresse, et pour cause. C'est l'hôtel de la monnaie, l'endroit où l'on frappait les pièces de monnaie. C'est assez incroyable de penser que derrière cette façade qui est, on dirait un palais, c'est une façade néoclassique, derrière ce sont des ateliers, il y a 300 personnes qui travaillent ici. Parce que c'est une véritable usine où sont frappées des pièces en or et en argent.
et qui fonctionne depuis 1200 ans. Et c'est devenu un lieu de vie. J'ai même un raccourci entre Odéon et la passerelle des Arts. Et un raccourci franchement super agréable. Dominique Lesbros quitte le centre de Paris pour rejoindre le quartier de la Butte aux Cailles, dans le 13e arrondissement. La place Paul Verlaine est l'un des rares endroits à avoir conservé son âme d'antan. Une ambiance de campagne qui date de l'époque où l'arrondissement n'était encore qu'un village. Alors là, nous sommes au point central de la place, qui est la fontaine Paul Verlaine. Et c'est là où les cailleux, c'est pas un gros mot, c'est le nom qu'on donne aux habitants de la Butte aux Cailles. Et ils sont nombreux à venir remplir leurs jerricanes et leurs bidons. C'est une eau qui est puisée très 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 profondément, à quelques 600 mètres de profondeur. Et elle est un peu sulfureuse. Alors elle sort à 26-28 degrés. Donc avant de la boire, il faut la laisser refroidir. C'est vraiment une habitude très courante de venir remplir ces bouteilles ici. Cette eau a longtemps servi à remplir les bassins de la piscine municipale qui se trouve juste en face sur la place. La piscine de la Butte aux Cailles n'est plus alimentée par l'eau du puits artésien, mais elle présente une autre particularité qui est pour l'instant unique en France. Depuis mai 2017, l'eau est chauffée par un data center. C'est une sorte de chaudière numérique. Il y a sous ce bassin de gros ordinateurs et la chaleur dégagée par les serveurs fait monter la température de ce bassin. Inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, la piscine de la Butte aux Cailles est aussi une prouesse architecturale. Dans le bassin intérieur, on a un petit peu l'impression d'être dans une sorte de cathédrale avec cette coque de navire renversée. C'est une voûte en béton armé apparent. Et pour la construire, l'architecte Louis Bonnier a fait appel à un maître du genre, à François Henbic, l'inventeur du procédé du béton armé. Donc on ne peut pas être mieux servi. Et cette grande voûte est soutenue par cette arche très légère, très aérienne, qui donne une impression d'espace et puis aussi de luminosité qui est apportée par ces baies qui entourent la piscine, aussi bien dans la partie haute que sur la voûte. On voit ces grandes baies zénithales percées de mini-oculus. La Butte aux Cailles présente une autre particularité. Autour de la place de l'abbé Georges Enoch a été construit un véritable hameau de petites villas individuelles. Le quartier est truffé d'anciennes carrières, c'est-à-dire que le sol est fragile et il n'aurait pas supporté de gros immeubles dessus. C'est pourquoi on a construit des petites maisons à un ou deux niveaux, pas davantage, et toutes construites sur le même modèle. Identiques, mais les propriétaires se sont débrouillés pour distinguer les façades les unes des autres avec des couleurs décrépies, avec des marquises, avec des frises décoratives et toutes sortes d'éléments qui enjolivent et qui personnalisent chaque maison. Ceux qui habitent là ont beaucoup de chance, ils ont un tout petit jardin de poche et puis surtout pas un bruit. Au tout début du XXe siècle, la Société des chemins de fer fait construire ce quartier pour y loger ses agents parisiens. Yves vient de racheter l'un de ses pavillons. Je voulais habiter ce quartier parce que c'est un quartier de petites maisons. Tout un petit village qui se connaît et où il n'y a pas trop de tensions. C'était ça mon idée. Je suis à la fois en dehors de la ville, mais dedans. Alors ça, c'est un petit carré pour évoquer ma grand-mère. J'ai repiqué les plantes qu'il y avait chez elle quand j'étais enfant. Alors, il y a la coque lourde, il y a le petit trèfle rose, il y a le camélia, puis il y a le bignonia qui fait ça. Les maisons ont une histoire toute différente. Certaines ont été agrandies, comme celle-ci. La taille originelle de la maison, ça s'arrête ici. Les maisons là, pour
pour les agents du métro, ça s'arrête là. C'est comme ça. Et celle-ci a été agrandie. Quand on a rénové la maison, on a gardé les détails de 1930. C'est des détails de cette époque-là. La vue, on voit la rue Dieu la Foi. C'est une rue un petit peu à l'anglaise. Alors, y en a qui n'aiment pas du tout ce style d'architecture, mais bon, moi, je trouve ça très joli. Et donc, j'aime beaucoup avoir la vue depuis le salon qui donne sur les petites maisons de la rue Dieu la Foi. Au centre de la rive gauche, sur la montagne Sainte-Geneviève, se dresse le majestueux dôme du Panthéon. Sur les toits, un chantier est en cours. Tu prends tes outils ? Kevin dirige une équipe de couvreurs zingueurs. Ce matin, ils achèvent la toiture d'un immeuble qui surplombe la place du Panthéon. Ça fait bizarre, hein. On est tout petit par rapport à ces monuments qui nous entourent, quoi. Et je pense que la première fois que je travaillais aussi proche d'un monument, j'ai déjà travaillé proche de la Tour Eiffel, mais à une certaine distance. Là, ouais, c'est vraiment, il n'y a qu'une rue qui nous sépare, quoi. Donc c'est vrai que là, on y est, quoi. Tout autour du Panthéon s'étend une mosaïque de gris faite d'ardoises et de zinc. La couverture, c'est très vieux et c'est un savoir-faire qui va de génération en génération. Et ça vient de mon père, en fait. Il est aussi couvreur et j'ai été plus jeune, l'aider sur ses chantiers. Et puis voilà, j'ai accroché et puis j'ai pu lâcher. Et j'ai commencé à 15 ans et j'ai fait mes 4 années d'apprentissage. Ça fait maintenant 5 ans que je suis couvreur et j'ai une passion vraiment. Déjà, le fait d'être sur les toits et tout, déjà, moi, c'est... Enfin, je me vois pas, en fait, enfermé. Je suis pas bien enfermé. J'ai besoin de bouger. Libre, quoi. C'est déjà quelque chose qui me pousse à me lever le matin et, franchement, à venir faire le métier que je fais aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui me fait aimer mon métier, ouais. Tiens, Grégoire. Les toits de Paris font rêver. Le savoir-faire de ces funambules entre ciel et terre vient même d'entrer à l'inventaire des biens culturels immatériels français. C'est quand même une architecture propre à Paris. Il y a énormément de toits différents, énormément de formes différentes. Et c'est ce qui crée cette vue, en fait. Et plus ça avance, plus on se dit on arrive au bout. Et on finit encore un chantier. Et c'est quelque chose qui va rester une cinquantaine d'années sur Paris. Et enfin, voilà, ça a été réalisé par nos mains. Donc c'est vrai que quand on finit un chantier, c'est une fierté, ouais. Vous venez d'Égypte, d'Équateur, d'Espagne, des États-Unis, de Gambie, de Guinée, d'Inde, d'Italie, d'Iran, du Japon, du Liban. Vous venez de Russie, du Sénégal, du Mexique, du Niger, de Turquie et d'Ukraine. Je vous invite à vous mettre debout, à prendre les paroles de la Marseillaise. Place des grands hommes, dans l'enceinte du Panthéon, se déroule pour la première fois une cérémonie de naturalisation. 300 personnes obtiennent aujourd'hui la nationalité française. Parmi elles, Madame et Monsieur Silla, d'origine malienne. À leur côté, un autre couple, Ali et Sonia, d'origine tunisienne. Un moment émouvant et solennel, en présence de Gaëtan Brunel, l'administrateur du monument. Comme ça ou comme ça ? Comme vous voulez. Prenez beaucoup de photos.
C'est la première fois en fait que je viens au Panthéon, donc pour moi en fait je suis très très fier d'assister à cette cérémonie dans un lieu historique et qui représente beaucoup beaucoup de choses en fait pour la France et pour moi en tant que Français. Donc je suis très content d'être ici aujourd'hui. Pour moi c'est quand même la concrétisation de tout le parcours en fait, voilà, depuis des années quand on est en France, c'est vraiment voilà, l'officialisation avec cette cérémonie, donc très honoré. On est là aujourd'hui dans ces monuments. Comme Français, voilà. Moi, avec ma femme, avec toute ma famille, maintenant, ils deviennent déjà Français. Et on est fiers d'être là aujourd'hui et d'être Français dans les pays français encore. Le Panthéon, c'est un lieu qui est chargé d'histoire et qui est devenu au fil du temps l'un des symboles, sinon le symbole de la République française. Et donc, c'est particulièrement fort et que cette cérémonie ait lieu dans cet endroit qui, depuis trois siècles, porte le témoignage de tous les bouleversements politiques qui ont fait notre histoire et qui, au présent, signifient beaucoup de choses sur ce que veut dire être français. Sous l'édifice reposent les plus illustres personnages de l'histoire de France. Des philosophes, des écrivains célèbres, de grands résistants. Mais le Panthéon abrite également une merveille scientifique. Le pendule de Foucault. C'est une expérience qui date du milieu du 19e siècle, en 1851, lorsque Léon Foucault, qui était peut-être pas un grand scientifique, en tout cas un grand pédagogue, a démontré la rotation de la Terre dans une expérience qui a tellement plu à Louis-Napoléon Bonaparte qu'il a souhaité l'installer au Panthéon. Le principe est simple, et je vais relancer le pendule. C'est une masse de 47 kg de fonte enveloppée de bronze et qui permet de démontrer la rotation de la Terre. Il est 14h30. On va le lancer ainsi. Le principe est relativement simple. Quand vous lancez un mobile dans l'espace, il n'a pas de raison de faire des mouvements aléatoires en zigzag. Eh bien, ce qui fait que le pendule, au fur et à mesure de la journée, tourne sur son axe. Là, il indique 14h30. Si on repasse dans une heure, il indiquera 15h30. C'est le signe, non pas qu'il y aurait un moteur à l'intérieur, non pas qu'il y aurait au niveau de la table un champ électromagnétique qui le ferait bouger, c'est tout simplement que la table, et donc la Terre, tourne autour du pendule. Cette expérience-là, aussi simple qu'elle a pu être inventée par Léon Foucault, elle a passionné le 19e siècle, qui est venu en masse au Panthéon pour justement vérifier avec Foucault la rotation de la Terre. Toujours aujourd'hui, elle intéresse beaucoup nos visiteurs. Dans les coulisses du monument se cachent d'autres traces de l'histoire. Donc là, on arrive dans l'une des parties les plus méconnues parce qu'interdit la visite du monument, dans ce qui est l'un des rares témoins de l'occupation allemande qui est passée par le Panthéon, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, les Allemands se servaient du Panthéon comme d'un point d'observation du ciel parisien. Et ces barreaux d'échelle, tels que vous les voyez, sont héritiers de cette page d'histoire, puisque ce sont le même modèle d'ailleurs que l'on retrouve sur le mur de l'Atlantique, installé là par les Allemands, qui leur servait à accéder sur le toit, et on s'en sert toujours aujourd'hui. Le Panthéon recèle encore d'autres curiosités. À 35 mètres, sous la coupole, se trouve un endroit dont seul Gaëtan Brunel possède la clé. Donc on est ici dans l'enchâssement des trois coupoles. On est ici sur la deuxième coupole qui abrite, comme on le voit ici, cette fresque du Baron Gros. C'est une commande de Napoléon qui voulait faire représenter une fresque montrant toute l'histoire de France, de Clovis à lui-même. Gros n'a pas eu le temps d'achever sa fresque à la fin du Premier Empire et c'est Louis XVIII qui lui a demandé de l'achever en grattant Napoléon et en mettant Louis XVIII à la place. C'est donc pour cela qu'au-dessus de nous, il y a la figure de Louis XVIII et même, suprême ironie de l'histoire, que dans le décor se trouvent les visages de Louis XVI et Marie-Antoinette puisque le Panthéon de la Révolution ne s'attendait pas à voir réinstaller dans le décor ces deux figures de l'Ancien Régime qui étaient par excellence Louis XVI et Marie-Antoinette.
Cette fresque, au fond, à l'image de ce lieu, elle a été plusieurs fois réécrite pour donner aujourd'hui ce millefeuille historique qu'est le Panthéon. Et au fond, visiter le Panthéon aujourd'hui, c'est avoir accès à notre histoire. Encore plus haut, le Lanternon. Il culmine à 83 mètres et domine toute la capitale. Donc là, on arrive au sommet du Panthéon. On est à l'équivalent d'un 24e étage. Bref, c'est Paris dans toute sa splendeur qui s'étale sous nos pieds, devant nos yeux. Il y a une compétition entre les plus belles vues de Paris, celle de la Tour Eiffel est pas mal, celle de l'Arc de Triomphe ou de Notre-Dame est magnifique. Mais celle du Panthéon, je crois, est la plus belle parce qu'on est à l'un des points les plus hauts de Paris, mais surtout on est en plein centre, à 360 degrés, et la vue qui s'offre d'ici, personne d'autre ne peut la voir. Cette porte que l'on n'ouvre jamais donne accès au balcon du Lanternon, un endroit très exceptionnel puisqu'on est quasiment en plein ciel. Le Panthéon, c'est un peu le phare de la rive gauche. Il offre un point de vue unique sur tous ces monuments qui font le cœur du Paris historique, du Paris intéressant. Sur le sommet de la montagne Sainte-Geneviève, voilà le Paris qui nous enchante tel qu'on ne peut pas le voir ailleurs. Et je crois que c'est aussi ce qui fait l'émerveillement de ceux qui ont la chance de monter jusqu'ici, voir ainsi Paris rive gauche comme on ne le voit jamais ailleurs. Nous quittons la place du Panthéon pour l'esplanade des Invalides. Un domaine de 12 hectares au cœur du 7e arrondissement. L'hôtel des Invalides est reconnaissable à son dôme, recouvert de feuilles d'or. Aujourd'hui, un événement se prépare dans l'enceinte du monument. Sous la direction de Bruno Le Ray, le gouverneur de Paris. Nous nous trouvons ici donc, dans la cour d'honneur qui est le cœur des Invalides, le lieu où se déroulent toutes les grandes cérémonies et les grands spectacles que nous avons l'occasion d'accueillir ici aux Invalides, comme ce soir par exemple. Et donc c'est autour de cette cour que vivaient, se restauraient et habitaient les Invalides qui ont été accueillis donc, dans ce lieu à partir de 1674. Et ils vivaient à l'étage dans des chambrées dont on a encore aujourd'hui la trace au travers des portes qui permettaient d'accéder aux chambres de ces Invalides. C'était la volonté de Louis XIV de créer un lieu d'accueil pour les Invalides dont il trouvait indigne qu'il erre dans les rues de Paris. Et donc Louis XIV a souhaité que leur soit créé un lieu dédié pour qu'ils puissent se soigner, voire terminer leur vie dans des conditions dignes. Et donc effectivement, ce bâtiment, sa première pierre a été posée en 1676. Il a été bâti sur ce qu'on appelait à l'époque la plaine de Grenelle, qui était donc totalement une forêt, peuplée en particulier de châtaigniers, dont une grande partie d'ailleurs a servi à fabriquer les charpentes de ce lieu. L'hôtel est toujours un bâtiment militaire. C'est dans cet imposant monument que réside à l'année Bruno Le Ray. Ce sont donc les salons de réception du gouvernement militaire de Paris, donc une enfilade de salons avec en particulier cette majestueuse salle à manger qui permet de recevoir un grand nombre de convives lorsque c'est nécessaire. Au fond, un décor insolite. Alors nous pénétrons ici donc dans le dernier salon de cette enfilade et qui, vraiment, il y a ici une particularité assez exceptionnelle donc par cette grotte dans le style rocaille, une grotte qui a été construite au XIXe siècle avec une statue en marbre de Carrare, supposée à une certaine époque représenter la maîtresse du général Boulanger, qui s'est d'ailleurs suicidé sur la tombe de sa maîtresse à Bruxelles à l'époque. Quelque chose d'assez exceptionnel avec des stalactites et qui suscite beaucoup la curiosité des visiteurs de ces salons.
À l'étage, le poste de commandement. Donc ici, nous sommes dans l'antichambre du bureau du gouverneur militaire de Paris, avec son secrétariat, son chef de cabinet, son aide de camp, qui veille sur la tranquillité du gouverneur militaire. Et nous sommes ici donc dans mes bureaux, qui donnent sur l'esplanade des Invalides. Alors le gouverneur militaire de Paris est en charge d'organiser toutes les grandes cérémonies militaires parisiennes. Et évidemment aujourd'hui, la première d'un spectacle son et lumière dans ce lieu. Il est presque 20h. Les préparatifs s'accélèrent. 3000 personnes sont attendues. Les murs de la cour d'honneur vont se transformer à la tombée du jour. Juste quelques mots pour vous dire à quel point je suis heureux de vous accueillir ce soir dans cette cour des Invalides. Et donc je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Au cœur de l'hôtel des Invalides, le public assiste à un son et lumière projeté sur 4000 m² de façade en pierre. Un défi technologique en plein Paris. Pour terminer cette émission, je vous invite maintenant à 110 mètres de hauteur au sommet de l'Arche de la Défense. Après plus de 10 années de fermeture, on peut à nouveau accéder au toit terrasse qui a été réaménagé avec notamment ce pont promenade en teck. L'Arche a été inaugurée il y a près de 30 ans, le 14 juillet 1989, pour le bicentenaire de la Révolution française. Avec ce grand chantier, François Mitterrand voulait prolonger l'axe historique de Paris. Il est jalonné par l'Arc de Triomphe sur la place de l'Étoile, l'obélisque sur la place de la Concorde et l'Arc du Carrousel du Louvre où nous avons débuté cette émission. Je vous laisse profiter de cette vue magnifique. Le temps pour moi de remercier Patrick Charles, Hélène Frandon, Jean-Luc Rabona et toutes les équipes techniques et éditoriales qui m'ont aidé à préparer cette émission. Excellente soirée à vous. Bonsoir.